Bonsoir mes chers amis, l'heure est grave, j'arrête YouTube, momentanément ou pas, ça va dépendre. J'attaque une nouvelle tournée, et oui, je suis facteur comme eFootball demain. Je change de lieu de travail, j'ai dû m'acheter un moyen de locomotion pour aller dans ce nouveau lieu de travail. Ils m'ont fait une tournée, ces salopards. Le casier est gargantuesque. Même les collègues me disent « Oh là là, mais comment tu vas t'en sortir ?» Je suis en pleine panique, en plein stress. Voilà. Donc, je ne sais même pas à quelle heure je vais rentrer. D'habitude, on finit à 13h30. Là, ils nous ont changé les horaires. Faut prendre une pause méridienne de 45 minutes. Donc je finirai, normalement je suis payé jusqu'à 14h30. Mais avec la tournée que je vais avoir, je vais sûrement finir à 17h. Oh là 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 là. Ça va être terrible. Je ne me sens pas la force de faire des vidéos. Le cauchemar continue. Voilà. Je voulais dire une chose à Dundee. Alors, tu m'accuses d'être Dark Vador. Tu t'es excusé. Tu as accusé Renard Rusé. Tu étais persuadé que c'était lui. Voilà. Et maintenant, c'est reparti sur moi. Aïe, 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 aïe. Mais tu te rends compte du truc. Dark Vador, il m'a bloqué, ça fait des mois. Renseigne-toi. J'ai parlé de Dark Vador. C'est moi qui vous en ai parlé sur le Discord de Dark Vador. J'ai mis des liens de ses vidéos. J'en ai parlé à maintes reprises à Vogue. Vogue, il a tous les messages qu'on s'échangeait. Dark Vador m'a bloqué, moi. Depuis des mois. Au début, j'ai pensé que c'était eFootball parce que vu que eFootball bloquait tout le monde, après j'ai compris que c'était pas lui. Je cherche depuis des mois à savoir qui c'est. Des youtubeurs de 4000 à 6000 abonnés cherchent depuis des mois qui c'est. Ils ont pas trouvé. Personne sait qui c'est. M'accuser moi d'être Dark Vador alors que je sais pas faire de montage. Je sais pas faire. Tu te rends compte du truc? Les montages qu'il fait, ça me prendrait des heures, voire peut-être encore des jours. J'ai fait un premier montage là. Devine combien de temps j'ai mis pour faire un montage ridicule comme ça? 20 minutes! Mais rends-toi compte, 20 minutes! Ça se. Ces vidéos à Dark Vador, ça en prendrait combien de temps? Bordel! Bordel de merde! C'est insensé! J'ai pris ta défense à de nombreuses reprises. Pourquoi j'irais m'amuser à faire des vidéos sur ta gueule? T'as ça! Regarde! Mais regarde ce que tu me fais! Regarde! Ah! Allons! On a échangé à de nombreuses reprises. Maintenant, je vais te dire pourquoi j'allais de moins en moins sur tes lives. Voilà. C'est tout simple. Je n'aime pas ton comportement envers Zanji. Voilà. Tu te comportes avec Zanji comme tu te comportais avec Chaussuro. Voilà. T'envoies des pics à chaque live. Et à chaque fois, je tombe sur ça. J'ai dit, putain, mais ils étaient potes. Ils étaient très amis. Ils s'entendaient super bien et de voir ça, moi, ça me. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, bah, petit à petit, j'allais de moins en moins dans tes lives. Voilà, tout simplement. Voilà. Et le problème, c'est que vu qu'on ne peut pas discuter avec toi, dès qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais, on est forcément contre toi. C'est ce que tu penses. Donc, du coup, voilà.
Je me suis dit, ça sert à rien d'en discuter avec lui. Il va mal le prendre. Voilà, donc j'ai dit, je passe à autre chose. Je regarderai de temps en temps ses vidéos comme ça, mais voilà, quoi. Si c'est pour aller dans chacun de tes lives et entendre des pics de mon pote, voilà, c'est... Aïe. Voilà, donc, pour l'instant, j'arrête les vidéos. Sayonara.